qui habitait ici. C'est le fantôme de la maison. Où madame va-t-elle aller? Oh, merci, chauffeur. Ah, c'est commode un endroit où on peut encore s'asseoir quand il n'y a plus de meubles dans la maison. Conduisez-moi le long du fleuve, aussi vite que vous pouvez, toute vitre ouverte pour me rafraîchir. Très bien, madame, c'est parti. Les chauffeurs, ils s'assoient devant. Ouais, mais il n'y a pas de siège à la fin. C'est difficile de trouver un endroit où s'asseoir depuis que le grand magasin du meuble a perdu patience. C'est vrai que c'est difficile de trouver où s'asseoir depuis que le grand magasin de meubles a perdu patience et que les greneuses a brûlé. Ah mais... Vous dites ça comme s'il y avait... Quoi? Un lien entre... Excusez-moi, je voudrais sortir et je peux pas à cause de vos jambes. Vous avez qu'à passer par-dessus? Ben non, je suis pas sportive. On est bien ici, il fait bon, il fait frais. Qu'est-ce que vous avez? C'est un bracelet avec des porte-bonheur. C'est mon papa qui me l'a donné, ça représente les 10 commandements. Et celui-là? Les anniversaires. On peut rallonger le bracelet, il y en a un par anniversaire. Je peux les compter? 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est tout. Demain, j'aurai 20 ans. Monsieur Baccaro, je peux pas passer par-dessus vos jambes. Vous voulez peut-être que j'enlève mes jambes? Oui, s'il vous plaît, sinon je peux pas sortir. Ok. Bien, je devrais rentrer, mais je déprime rien qu'à l'idée de traverser toutes ces pièces vides. Toutes les pièces sont vides? Oui, toutes sauf la chambre d'enfant et la cuisine. Vous avez un enfant? Moi? Mais non, c'est moi qui dors dans la chambre d'enfant. Pourquoi est-ce que vous dormez là? Monsieur Baccaro, c'est une question vraiment très personnelle. Il y a des coins où je suis jamais entrée. D'ailleurs, la plupart du temps, j'ai même peur de rester toute seule dans cette maison. La nuit dernière, quand il y a eu l'incendie, je suis descendue et j'ai passé des heures à attendre Archie. Parce que j'avais trop peur de rester toute seule. Ça devait être terrible toute seule sans votre mari pour s'occuper de vous. Comme vous dites, le feu illuminait tout le secteur et produisait de grandes ondes terrifiantes. Et il n'y avait pas un seul coca dans toute la maison. Sans parler de la chaleur, des moustiques, j'étais folle contre Archie. Folle contre Monsieur Megan, mais pourquoi ça? Oh, il m'avait planté là sans un seul coca dans toute la maison. Ah ouais? Il a fait ça, il vous a planté là comme ça? Oui, comme je vous le dis, juste après dîner. Et quand il est rentré, ça brûlait chez vous depuis un moment. Donc vous me dites que Monsieur Megan est parti après dîner? Hein? Vous venez de me dire que Monsieur Megan est parti après dîner, c'est ça? Un petit moment. Ah, un petit moment. Et il a duré combien de temps, ce petit moment-là? Vous voulez vous en venir, monsieur Baccaro? Je sais pas, ma question vous gêne, peut-être. Vous me parlez comme si j'étais devant un tribunal. Bah, ça pourrait être marrant d'être cité à témoin, non? Témoin de quoi, monsieur Baccaro? Disons, par exemple, au procès d'un incendiaire. Monsieur Baccaro, n'allez pas vous faire de trop. Des idées sur quoi? Sur la disparition de mon mari après dîner, je peux vous l'expliquer. J'ai fait. Qu'y a-t-il, madame Megan? Vous avez du mal à rassembler vos idées? Vous avez un trou, peut-être? Je peux pas me concentrer quand on me regarde droit dans les yeux. Bah ok, je vais regarder ailleurs. Là, comme ça, c'est mieux. Vous arrivez à vous concentrer, madame Megan? Vous retrouvez la mémoire? Toujours pas? Vous voulez peut-être qu'on parle d'autre chose? Ah oui, s'il vous plaît. Vous avez vu tous ces brins de coton qui flottent dans l'air? Oui, je sais, ça m'irrite les sinus. Vous êtes une femme délicate? Délicate, moi? Non, quelqu'un de normal. Moi aussi. Tout est délicat en vous. Même votre peau, elle est délicate. Si douce, si fine, si lisse. Il n'y a pas à dire, notre conversation devient vraiment très personnelle. Ouais, vous me faites penser à du coton. Eh bien, est-ce que je dois dire merci? Non, non, souriez tout simplement, madame Megan. Même votre sourire, il est séduisant. Avec ces petites fossettes? Non. Ah si. Si, si, je vous assure. Souriez. Vous voyez les petites fossettes? Ne me touchez pas, s'il vous plaît, j'aime pas qu'on me touche. Pourquoi est-ce que vous souriez? C'est
C'est malgré moi, vous me rendez tellement nerveuse, monsieur Vaccaro.